Elle est vraiment magnifique, cette chambre. J'adore. Oui, entrez. Oh, c'est vous, mère. Oui. Il y a un problème, mère? Non, rassure-toi. Je pensais juste que je devais avoir certaines questions et c'est tout à fait normal. Donc, je voulais te demander. Oui, il est vrai que je voudrais bien savoir les raisons de mon adoption par Jade et dans quelles circonstances ils se sont faits. Bien sûr. Quand tu étais encore un chaton, il y eut une guerre au royaume de Alidia. Et cette guerre opposa nous et les troupes de Tina. Seulement, cette guerre fut très meurtrière des deux clans. Majesté, nous avons perdu la moitié de nos hommes. Il faudrait nous. Mais Tina a perdu cette bataille. Oui, Majesté. Et elle jura de se venger. Tu me le paieras. Et toute ta famille aussi. Seulement, elle ne mentit pas. Et une nuit, ton père fut assassiné. Alors, le soir qui suivit, de peur, je t'amenais en ville. Et te laissa chez Jade que je savais être une personne de confiance. Et depuis ce jour, je n'ai plus eu de nouvelles. Enfin, jusqu'à il y a quelques jours, bien évidemment. J'espère que ça ne te fait pas un trop gros choc. Il est vrai que ces derniers jours, question émotion, j'ai plutôt été servie. Mais de savoir cela va m'aider à avancer. Et bien sûr, je ne vous en veux pas, mère. Je vous comprends et je pense que j'aurais fait la même chose à votre place. Eh bien, ça me fait grand plaisir d'entendre cela. Eh bien, je vais te laisser et quelqu'un viendra te chercher pour manger. Oui, entrez. Bonsoir, mademoiselle. Je voulais vous prévenir que le dîner était prêt et que l'on m'a chargé de venir vous chercher pour vous accompagner. Si vous voulez bien me suivre, bien évidemment. Oui, bien sûr, allons-y. Nous voilà arrivés, mademoiselle. Merci. Installe-toi, allez. Bonsoir, mesdames. Je voulais vous assurer, Majesté, que tout est en ordre. Je viens de faire mon tour. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Très bien, merci beaucoup, Evan. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne nous dérangez pas. Et d'ailleurs, si Adèle n'y voit pas d'inconvénient, je vous inviterai volontiers à notre table. Hein? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Excuse-moi, que désirez-vous dîner pour ce soir? Je fais confiance au chef. Dites-lui de donner libre recours à son imagination. D'accord, très bien. Et voici. Tout cela est très très bon et j'ai mangé en très bonne compagnie. Seulement, il se fait tard et je vais me retirer. Bonne nuit. Je vais moi aussi me retirer. Mademoiselle souhaite que je la raccompagne dans sa chambre? Avec plaisir, car dans cet immense palais, je m'y perds. Et voici mademoiselle. Merci, mais je vous ai déjà dit de ne pas m'appeler mademoiselle, mais Adèle. Je sais bien. Ah oui, aussi. Je voulais vous remercier pour l'autre jour quand vous m'avez sauvé la vie. Et aussi m'excuser de vous avoir traité ainsi. J'espère que je ne vous ai pas trop effrayé. Ne vous inquiétez pas. J'ai simplement fait mon devoir. Et également fait la connaissance de la princesse. Ce qui n'est pas des moindres.